Non, 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 c'était pas ce que je voulais faire. Je voudrais au moins, là j'ai cliné l'étage du, je vais dire, milieu. Donc là c'est l'étage en bas. Ok. Bah, aller en haut finalement. Parce que là je suis en train de m'enfoncer. J'ai pas, d'ailleurs j'ai pas tout cligné. Je vais aller en haut. Je vais cligner toutes ces zones, il me reste une pièce en plus à faire, à voir. Alors il y a du bruit derrière moi, mais il y a les gens qui sont chez moi, donc pour vous éviter de vous faire entendre tout un bruit, ouais, le piège qui passe à côté de mes fesses, pour vous éviter d'entendre tout seul, non je peux pas passer, c'est là. Donc voici, je vais juste sauvegarder devant cette porte. Voilà, faire deux save. Bah ok. Bah, je vais juste faire deux saves. Et bah je vais m'arrêter pour ces trois quarts d'heure de record déjà. Et je vous reprendrai pour la suite dans quelques secondes. À tout de suite. Tac, voilà, je vous reprends juste à l'entrée. J'ai racheté mes potions. Et j'ai fait les choses. Juste avant de re-rentrer dans la grotte, je vais parler au personnage de Guerrois. Bonjour à vous. Est-ce que j'ai parlé de ces monstres de la région qui nous harcèlent? Ceux qui ont enlevé Léa, ma femme? Avez-vous des nouvelles? Elle vend toi, ça l'aveugle. Il est revenu, c'est les sauf bonus d'XP de 50. Bon. Salut mec, deux secondes. Bon. Merci mon gars. Ouais. Non, je m'en vais. Donc ça c'est bon. Bon, t'es qui toi? Il m'avait dit que votre physique était plus que banale, et c'est vrai. Mais c'est sur vos épaules que repose le destin de pas divers, ça ne fait aucun doute. J'ai combien en physique? J'ai rien. Ah oui, c'est bien, ouais. Ouais. Oh putain, une quête. La traque du culte Solomon. Alors, excuse-moi, je vais m'assurer que je tiens mon merci, je l'ai fait mieux. Merci. Ok. Ouais. J'ai gagné un anneau. Alors, anneau de Solomon. Ah bah, je le virerai. Alors, cet anneau vous a été donné par Solomon Alphelin, d'ailleurs, autre chose qui est venu à votre rencontre. Le héros de Padivera, j'ai peut-être dû sauver un de sa famille. Bon, bah. Voilà, j'ai un anneau de protection plus un et un anneau de Solomon. Voilà, tranquille. Bah, c'est cool. Non, ça c'était H, G. Donc là, ce qu'on va faire, bah, vu que je suis toujours sur la même session que d'habitude, bah, on va finir la grotte. Hein? Où suis-je? Où suis-je? Non, légèrement à gauche. Cui, motherfucker, c'est quoi ça? C'est un truc que j'ai pris? Ah non, je ne sais plus. La grotte. Je ne sais plus quelle entrée de grotte j'ai pris. On va dire que j'ai pris celle-là. J'espère ne pas me tromper. Donc là, attendez. Là, je suis sur un niveau et là, c'est un autre niveau. Donc, c'est des cavernes des gobelins et des orques. Oui, ça devait être là. Je ne sais plus où j'étais. Merde, c'était là? Non, c'était pas là.
C'était pas là. Bah, ça devait être au-dessus. Ça devait être au-dessus. Il faut que je fasse ça par ordre. Faut que je me repère assez facilement. Donc peut-être ici. Ça devait être là. Ou alors c'était à côté. Je ne sais pas du tout. Caverne des gobelins et des orques. Je suis complètement paumé. Ouah, je suis paumé de chez paumé là. À moins que j'avais descendu. Attendez, il faut essayer de se repérer. Donc on est sur deux niveaux. C'est quoi ça? Excuse-moi, détritus. Des flèches de foudre. Dans des. D'accord. Les cavernes des go. Ah, caverne des gobelours. Voilà où je. J'étais ici. Ils ont repop. Donc là c'est le chenil. Là c'est. Voilà, c'était l'escalier vers le haut et l'escalier. Non, escalier vers le bas, escalier vers le haut. Oh, oui. Donc c'était. Premièrement. Putain, je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre dans ce couloir, dans ce dédale incroyable. Donc je vais aller ouvrir la porte là. Et ensuite on descendra en bas pour safe fly zone. Ou alors je monte, je ne sais pas. Je vais descendre en premier, puis si je me souviens de là où j'étais, bah je. Je sais plus, putain. Je suis en train de me perdre. Donc. J'ai acheté 20 potions hein, de santé intense. Ah mais ouais, mais il est là le boss. Il est là le boss fight. What? Une arme de jet. Ah, qu'est-ce que. Putain, évidemment effrayé, hein, sort de statue. Oh. Allez. Non mais allez. Allez. La porte. Putain, effrayé. Ok. Non mais oui, pourquoi pas. Si en plus j'ai une chance de me faire effrayer, je ne vois pas pourquoi je n'en profiterai pas. Donc. Mais bien sûr. Voilà, donc c'est. Attends. Tac. On ferme la porte. La porte les mecs. Voilà. Voilà. Non mais qui c'est qui m'a effrayé bordel. Donnez un nom. Le maître. Oh putain. Ah la merde. Ok, décède toi. Non, non, rentre pas. Non mais. Non mais je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux arrêter, boîtier de merde, de tomber sur cette table? Yep. Il y a le bruit de boule du volume de mon casque qui est en train de faire de la merde. Donc là, voilà, là. Ok, non. Ah non, d'accord, je viens de comprendre. Allô? Wow. Mec, enlève-toi. Regarde. J'ai compris comment tu fais en fait. Voilà. Et là, hop. Voilà. Et là, attendez, regardez. Non, là, il faut juste que je me barre. Non, la potion. J'ai compris en fait. Le premier sort qu'il fait, c'est un sort d'effrayage. D'effraiement. Voilà. Et j'avais pas compris ça dès le début. Au bout de la cinquième tentative, on comprend des trucs. Non mais après, voilà, le jeu reste ce qu'il est. Le jeu reste bien foutu. Voilà, alors, là, voilà. Ah non, c'est... Hop. Non, non, effrayé. J'ai de volonté. C'est une volonté de ne pas vouloir être effrayé.
Alors là, je me fais actuellement défoncer ma race. Est-ce que ça se voit? Dès que je peux effrayer, je prends une potion. Allez, 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 plus vite. Plus vite, tu te fais niquer par des gobelours là. Tu sais quelle merde. Allez, voilà. On va y arriver, on va y arriver. On va comprendre comment on arrive à de telles bêtises de ma part. C'est très simple. Dès que là, le premier gobelour est mort, on va faire une safe state. Hein. Voilà, safe state. Donc là, le jeu est... là, toi. Voilà, là on est bien. Ah, mais c'est lui, c'est ses armes de... C'est ces conneries d'armes qui... Je suis bloqué contre un mur. Non, fais pas de la... Personnage, s'il te plaît. Respecte-toi, personnage. Voilà. Hop. C'est bien. Allez, maintenant. Attention. Joue-la bien. Voilà, et là, non, là tu joues mal. Là t'as très mal joué. Fais-moi un jet de volonté. Un jet de volonté. Allez, t'es en train de te faire démonter. Ma volonté est nulle. J'ai une volonté de merde. J'ai la volonté d'un poisson rouge. Et franchement, mon voleur, c'est de la pisse. Hop. Voilà. Donc. Voilà, il va me lancer une hache. Il m'a fait un renversement. Il m'a fait un renversement là. Faut pas qu'il m'attaque avec ses armes de jet. Allez. Voilà. Crit. Hop. Potion, on attaque. Il réussit ses renversements. Connerie d'ennemi. Non. Quoi? Il m'a tout shot en même pas 3 secondes. Il m'a tout... Ok, non mais j'ai déjà connu cette situation sur des boss. Hop là. Non. Non mais... Bien sûr. Oui, tout à fait, hein, effrayé. Pire sauvegarde du monde. Et bah va vers lui, ouais. Fais-toi défoncer, échec de volonté. Bois une potion ou des... Décès. Voilà, ça... non mais très bien. C'est très très bien. Moi j'accepte. Le combat, le... Non, ça va pas être le combat le plus chiant du monde. Bam, save, attaque. Wow. Mais non mais il me fait deux. C'est quoi cette arme? C'est quoi ton arme? Renverse. Ok. Non, pas save. Pourquoi j'ai save là? Oui. Très bien. Non. Ah, prends une potion. C'est... Ah, je peux boire une potion en étant renversé? Avec 4 renversements qui passent sur 6-4 jets, putain. Je suis très calme. Je suis extrêmement calme. Potion. Voilà, il me met un 10, mais je suis full life. C'est moi. Y a triche, monsieur l'arbitre, là. Non, mais on va pas se voiler, là. On va pas se voiler la face, les mecs. Je ne peux pas le tuer.
de manière conventionnelle. Donc, on va devoir tricher. Voilà, donc là j'ai engagé le combat. Le jeu s'en souvient. Là j'ai utilisé un sort. Si, si. Allez. Le sort est en attente. Waouh. Ouais. Non. La grosse merde. Je suis une énorme tanche là. Là je viens de perdre toute crédibilité. Allez. Voilà. Là tu vois, c'est bien. Là il est blessé. Il est au moins blessé. Il est au moins midlife. Voilà. Il y a un 11 qui est sorti de mon trou du cul. Non mais cet ennemi est craqué. Pas d'explication possible, plausible. Pas d'autre explication. Non, pourquoi je voulais save? Non, charger une partie. Oui, t'es gentil. Cet ennemi est juste craqué. Hein, les renversements qui passent à 99% et 5 à la suite. Voilà. Moi je considère que... Voilà. Voilà. Renversement raté, renversement touché. Que faut-il comprendre là? Normalement là, ça devrait être fini. Il devrait être mort. On save. On fait une vraie save. Je vais faire une vraie save. Oui, 472 XP. Comment voulez-vous que je le batte legit? Il y a un drop. Ok. Tranquille. Alors, dextérité plus 1 maximalu. Bonus de dextérité. Échec de sort profane. Non, pendant armure légère. Cette armure. Il y aura ta selle qui confère tissu embourré et matelassé. Parfait, je prends. Un drop pas dégueulasse. Et un petit anneau. Du coup, tac. Mon CA est de 17, c'est peu, c'est faible. Et là, il est à 16. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. À quoi je ressemble, fais voir. Oh, je suis stylé. Oh, comment j'ai trop le swag. Ouais, tu me la fais pas, mec. Je savais que ce coffre était piégé. Ça s'en sentait, tu vois, les coffres comme ça. Une alexandrite. Waouh. Non, celui-là, tu me la fais pas. Celui-là, tu me la fais pas. Mec, tu me la fais pas. Voilà, le coffre, je l'ai vu à des kilomètres. Je l'ai vu dans un passé lointain. Là, tu vois, c'est mieux. Alors, ce qui va m'interroger maintenant, c'est le trône. Ok. J'ai oublié un truc là-dedans? Non. Bon, on va se soigner. Non, c'est un caillou, ça. Alors, on va se soigner. On va faire repos. Et on va remettre la map. Déjà, ce serait cool. Donc, l'étage est clean. Il est cleané. Donc, je vais aller... prendre l'escalier en bas premièrement. Enfin non, je vais déjà prendre l'escalier en haut finalement, vu que c'est là où je suis le plus proche. Je vais regarder ce qu'il y a en haut. Alors, caverne des gobelins et des orques. Et quoi? C'est un tunnel qui se relie. Donc là, je suis en haut, donc... Non. C'est pas logique. Escalier... Non, escalier vers le bas. Ouais, donc je vais cliner cet étage aussi.
Ok. Ma compétence naturelle. Champion orc, 3 champions orc, non, un qui est complètement à walp. Ah non, ça va être un chaman. Ta gueule. Voilà. Je crois que. Critique 21. Toi, tu m'as toujours pas bité. Ça, c'est le. Toi, t'es mort comme une merde. Ok, ok, ok. Le petit donjon. Là, on a un orc. Les orcs sont plus forts que leurs congénères. J'ai rien dit. J'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Les orcs sont quand même faibles. Ah, là, il y a des chamans. Est-ce que les chamans sont plus forts que leurs confrères? Critique à 17, et franchement, cette arme est plutôt cool. Ouais, les orcs, franchement, là... Bon, à titre de comparaison, c'est les zombies du premier qu'on trouve dans les quartiers.